Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin pour parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler du Bitcoin. Nous allons parler d'un portefeuille ancien, voilà, du Bitcoin qui vient de se réveiller avec une quantité assez intéressante de Bitcoin, voilà, qui fait une fortune aujourd'hui. Alors, ensuite, nous parlerons aussi des trois pays qui favorise aujourd'hui l'adoption des crypto-monnaies. Nous terminerons aussi avec XRP qui lance très bientôt son stablecoin, voilà, donc qui est le RLUSD. Donc, voilà, ça risque d'être une vidéo assez intéressante. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Avant tout propos, parlons de notre partenaire qui est une plateforme assez intuitive qui permet à l'utilisateur de la crypto-monnaie d'interagir avec plusieurs plateformes deux en un. Voilà, car vous avez la plateforme centralisée qui vous offre une expérience utilisateur assez intuitive. Vous pouvez y faire du trading spot du futur. Vous pouvez faire aussi, voilà, du staking. Vous avez aussi des produits comme le Loto Invest. Sans oublier aussi, voilà, que vous avez accès à plus de 1000 crypto-monnaies sur lesquelles vous pouvez spéculer un tant soit peu pour tirer profit du marché des crypto-monnaies. Alors, c'est une plateforme qui présente plusieurs autres produits tels que Coinex Wallet, qui est la partie décentralisée de cette plateforme. Elle vous permet d'interagir avec plus d'un million de tokens sur son interface. Elle est très, 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 très intéressante en tant que plateforme assez utilitaire. Une plateforme qui permet de faire aussi l'interopérabilité entre blockchains. Cela se fait grâce au produit qu'on appelle Coinex Smart Chain. Sans oublier aussi que cette plateforme, pour garantir les fonds des utilisateurs, permet d'agir avec la preuve de réserve qui est l'assurance qui donne vraiment plein pouvoir aux différents utilisateurs sur leurs fonds et l'assurance que leurs fonds est en sécurité. Vous êtes invité à aller faire un tour sur Coinex. Pour ceux qui n'ont pas de lien, alors le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Le Bitcoin a aujourd'hui 16 ans. Alors, un vieux portefeuille vient de se réveiller. Un portefeuille qui a au moins 11 ans, de vieillesse. Voilà, on va dire qu'il y a 11 ans derrière, le Bitcoin était un actif très risqué pour ceux qui, était basé simplement sur les choses du moment. Alors, ils voyaient le Bitcoin comme un danger, comme quelque chose à éviter. Mais certains ont quand même pris le risque d'investir. Alors, c'est le cas de ce portefeuille qui a investi en cette période-là. $686 à cette période, on va dire, si on fait moins 11 ans, aujourd'hui, nous nous retrouvons autour de 2013 par là. Alors, en 2013, le Bitcoin s'évaluait autour de $27 par là. Donc, quand on calcule, alors, ce portefeuille détient actuellement, et donc, 25 Bitcoin qu'il a payé à cette période-là à $686. Et donc, ce portefeuille est resté là. Et c'est maintenant que le portefeuille a commencé à se réveiller. Et ce portefeuille, aujourd'hui, à l'heure de sa publication, le portefeille est évalué autour de $1,580,000 à l'heure de la publication. Et donc, c'est vraiment assez intéressant de constater que quelqu'un qui a investi il y a 11 ans derrière $686 se retrouve aujourd'hui millionnaire. Et c'est ça aussi la crypto-monnaie. Alors, lorsque les risques sont grands, c'est en ce moment-là que les gains aussi peuvent devenir aussi plus importants. Alors, certains
voilà, n'ont pas cru au Bitcoin. Voilà, plusieurs histoires sur que vous connaissez déjà l'histoire de Laszlo. Voilà, ce dernier-là, ce développeur-là, qui, voilà, ne croyait pas même au Bitcoin, qui a, voilà, vendu plus de 10 000 Bitcoins avec seulement deux pizzas qu'il a donné à quelqu'un pour, voilà, la personne est venue lui donner deux pizzas, il lui a donné, voilà, 10 000 Bitcoins. Et donc aujourd'hui, ça vaut des fortunes. Et donc vous comprenez là que les gens ont fait des erreurs parce que ils ne croyaient pas à l'évolution de la technologie. Ils n'ont pas réussi à se projeter dans le temps car ils sont restés bloqués, voilà, à regarder, voilà, ce que les nez leur montrent. Et donc du coup, ils n'ont pas pu, voilà, se projeter et voir plus loin dans l'avenir. Et aujourd'hui, ce sont des personnes qui se mordent les doigts. Et donc, c'est l'apanage de beaucoup de personnes aujourd'hui. Alors, qui vilipendent même les crypto-monnaies, malgré l'adoption, malgré les BlackRock, les Fidelity, il y a encore des gens sceptiques dans ce monde-là. Et même dans la crypto-monnaie, certains crypto-monnaies, voilà, telles que les mêmes coins, voilà, ne sont pas bien vues, voilà, pour certains, car ils estiment qu'il y a beaucoup de risques. Alors que c'est lorsqu'il y a beaucoup de risques, il y a beaucoup de gains, seulement qu'il faut savoir alors évaluer, voilà, le pourcentage des risques avant d'investir l'un dans l'autre. C'est ça aussi l'expertise aussi dans le domaine de la crypto-monnaie. L'un dans l'autre, chacun y va avec sa stratégie. Alors c'est au final qu'on va faire le point pour dire qui a fait quoi. Bull market est fini aujourd'hui, alors venez déclarer vos biens. C'est là qu'on saura qui avait une bonne stratégie, qui n'avait pas une bonne stratégie. Ça va se savoir. De toutes les façons, nous sommes lancés. Donc, autre information, cette fois-ci, il s'agit des trois pays aujourd'hui qui favorisent l'adoption des crypto-monnaies. Selon une étude qui a été menée par Hensley et Partners, et donc, il s'agit du premier pays qui est Singapour. Singapour qui a alors reçu un score de 45,7. Ensuite vient Hong Kong qui a reçu 42,1. Ensuite, en troisième position, nous avons les Émirats Arabes Unis qui ont totalisé 41,8. Allez comprendre là que ces données ont été menées sur 28 pays. Voilà, ils ont recueilli les différentes informations sur 28 pays. Et de ces 28 pays qui sont favorables aux crypto-monnaies et qui, voilà, on va dire, valorise les crypto-monnaies. Alors, de ces 28 pays-là, alors, 3 pays se sont trouvés au top 3 et ce sont ces pays qu'on vient d'énumérer. Mais là, quels sont les critères qui ont poussé, alors, à, on va dire, cette évaluation, ça a été basé sur quels critères? Alors, le premier critère, c'était le niveau d'adoption grand public. Alors, à quel niveau, alors, le pays s'investit pour amener vraiment les citoyens à investir dans les crypto-monnaies? Quelles sont, comme on appelle, les politiques qui ont été mises en place? En tout cas, quelle est l'adoption qui est faite au niveau du grand public? Deuxième alors, critère, il s'agit des infrastructures mises en place par, voilà, le pays. Et donc, ces pays-là, voilà, ils ont mis quoi comme infrastructure, comme, alors, infrastructure, on va dire, que ce soit monétaire ou banque, en tout cas pour favoriser l'adoption des crypto-monnaies. Ensuite, voilà, ça peut être aussi des distributeurs, en tout cas tout ce qui peut, voilà, ça peut être des formations, alors tout ce qui peut amener, voilà, les gens à s'intéresser aux crypto-monnaies. Quelles sont les infrastructures que ces pays ont fait? Troisième critère, l'environnement réglementaire et économique. Alors, quels sont les règlements qui ont été mis en faveur des crypto-monnaies? Est-ce que ces règlements sont pro-crypto ou bien sont contre les crypto-monnaies? Est-ce que ces règlements sont très clairs, visibles et qui favorisent alors l'adoption des crypto-monnaies? Quatrième critère, l'environnement propice à l'innovation technologique. Alors, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce que le pays a mis comme infrastructure dans ce sens, ou bien même à appuyer peut-être par des fonds pour les jeunes qui veulent s'essayer à la blockchain, à créer des applications, et donc toutes ces choses de formation, voilà, comme par exemple le Salvador avait fait en mettant en place, alors en appelant des experts pour venir former des jeunes au Salvador là-bas pour qu'ils deviennent des experts en Bitcoin. Alors, est-ce que ces pays-là ont fait ce genre de choses? Alors, l'un dans l'autre, alors les trois pays qui
qui était en tête, c'était Singapour, Hong Kong et les Émirats Arabes Unis. Mais quand nous partons sur le top 5, alors vient s'ajouter les États-Unis en 4e position. Ensuite, en 5e position, c'est le Royaume-Uni. Voilà un peu les top 5 des pays qui voilà, favorisent un tant soit peu l'adoption des crypto-monnaies. Et donc, c'est une affaire à suivre. Voilà, parce qu'aujourd'hui, avec la course vers le Bitcoin, tous les pays sont en train de se mettre à jour aujourd'hui. En tout cas, tous les pays qui alors veulent émerger davantage, tous les pays qui veulent aspirer la liquidité vers eux, tous sont en train de venir vers la blockchain et la tokenisation. Autre information, il s'agit cette fois-ci du XRP, la société Ripple veut lancer son stablecoin qui s'appelle le RLUSD. Le lancement est imminent selon le PDG Brad Kalinauz, alors qui donne l'information sur sa page X Twitter. Alors, il a récemment annoncé aussi lors de l'événement qu'on appelle Korea Blockchain Week. Alors lors de cet événement aussi, il a donné l'information que bientôt le stablecoin du XRP verra le jour et viendra un temps soit peu pour concurrencer l'USDT qui est le leader du marché. Notons que l'USDT aujourd'hui domine le marché de la crypto-monnaie en tant que actif stable, qui permet un temps soit peu de garder la stabilité de vos crypto-monnaies lorsque vous ne voulez pas profiter, ou bien vous ne voulez pas que la volatilité du marché atteigne votre jeton. Alors du coup, vous le capitalisez, vous l'envoyez directement par échange dans un stablecoin et notamment c'est l'USDT qui domine le marché. Notons que l'USDT, c'est le troisième du marché. Il est la troisième spéculation du marché des crypto-monnaies, le plus capitalisé du marché, avec une valorisation qui va à plus de 117 milliards de dollars collatérisé par le dollar américain. C'est-à-dire que l'USDT, c'est un USDT émis, un dollar qui est aussi derrière. Donc l'USDT est stabilisé par le dollar américain. La valeur d'un USDT est égale à un dollar. Et donc c'est un actif qui est pratiquement stable. Souvent il peut descendre autour de 0,99, 0,98, il remonte à 1 dollar. En tout cas, il est stable. Votre crypto-monnaie qui a été échangée en USDT garde un temps soit peu sa valeur. Il n'est pas le seul stablecoin sur le marché. Il y a le DAI, il y en a plusieurs. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est le leader du marché avec un volume d'échange à l'heure de cette publication de 37 milliards de dollars en 24 heures. Et l'offre en circulation, notons qu'il est de 118 milliards de tokens. Alors, notons que à la base, l'USDT a dit, lorsque nous faisons l'émission d'une pièce USDT, alors nous devons envoyer aussi un dollar qu'on dépose quelque part comme garantie derrière un USDT pour un dollar. Mais est-ce que cela est toujours vérifié? L'un dans l'autre aussi, il y a beaucoup de spéculations aussi à ce sujet. Je vous laisse aller pousser aussi vos réflexions là-dessus, car ce bull market qui arrive aussi. Alors, l'un des défis qui va s'imposer aux uns et aux autres, il s'agira lorsque vous avez vendu vos Shiba, vous avez vos 10 000 dollars, vos 100 000 dollars, vous devez les mettre peut-être dans une monnaie stable. Voilà, c'est laquelle de ces monnaies-là que vous allez choisir? Ça aussi, c'est une question aussi. Qui vaut 10 000 dollars aussi? Car aussi, choisir le mauvais aussi, c'est aussi vous retrouver dans le cas de Terra Luna. qui avait aussi, son stablecoin. Le stablecoin, vous savez son histoire, Il a chuté et aujourd'hui, il s'est transformé en un même coin, avec plusieurs zéros derrière. Voilà le vrai point du marché de la crypto-monnaie. Il n'y a pas de garantie à 100%. Alors, ceux qui parlent mal peut-être des mêmes coins, je reviens encore dessus. Alors, Terra Luna, c'était une
catégorie supérieure, les têtes déjà. Alors déjà, notons que ils avaient déjà une monnaie spéculative, le Terra Luna, alors qui était allé jusqu'à 200 $, plus de 200 $, top 5 des crypto-monnaies en son temps. Et aussi, ils avaient le stablecoin. Mais seulement que le stablecoin était arrimé, voilà, à l'évolution de la crypto-monnaie spéculative. Et donc, l'un influençait l'autre. Lorsque ça marche, il n'y a pas de problème. Mais lorsque, alors, les premiers soubresauts, on va dire, les premiers problèmes se sont fait sentir au niveau, voilà, du stablecoin, cela a attaqué aussi, voilà, la pièce qui aussi a pratiquement chuté jusqu'à presque zéro. Le stablecoin aussi a chuté, voilà, Binance a intervenu, ils ont essayé un temps soit peu de rattraper, voilà, Doquan qui était, alors, voilà, le CEO, alors, n'ayant pas pris beaucoup de garanties, alors lui, alors il a fini par être emprisonné, l'un dans l'autre, c'est une histoire qui n'a pas été reluisante. Et donc, il y a eu beaucoup de peur en 2022 dans le monde de la crypto-monnaie à cause de ça. Beaucoup de pertes, beaucoup de personnes ont vu les 100 000 $ devenir 10 $. Voilà. Donc, du coup, voilà, les gens ont perdu beaucoup d'argent. Malgré qu'aujourd'hui, ils ont essayé de rattraper d'une certaine façon. C'est devenu aussi aujourd'hui, voilà, la crypto-monnaie, voilà, spéculatif, l'UNCE existe et le stablecoin continue d'être là, mais aujourd'hui peu de personnes s'y intéressent l'un dans l'autre. Alors sachez choisir. Alors notez aussi que rien n'est garanti, mais seulement que, alors, avec la formation, on peut minimiser un tant soit peu les risques. Voilà ce qu'il faut comprendre dans, voilà, cette capsule, voilà l'essentiel. Le reste, alors, nous allons développer tout ceci en formation. Alors, c'est prévu le 2 novembre prochain. Allez interagir avec le leader Bill, le leader Georgette, à la Bourse du Travail de Trècheville. Voilà, et c'est au montant de 50 000 francs toute la journée. Et même, disons que la nourriture, on va dire, le déjeuner de midi, voilà, est pris en compte parce que nous estimons que lors de la formation, il ne serait pas intéressant que, alors, le formateur et son équipe se retirent et que les autres attendent ou bien ressortent pour aller chercher à manger ailleurs. Nous tous, nous partageons le même repas ensemble en salle. Et après cette pause, nous reprenons de plus belle avec un peu plus de tonus. Voilà un peu comment nos formations fonctionnent. L'un dans l'autre, vous voyez que les prix qui sont donnés à la base sont des prix, on va dire, prix social. Permettent à tout un chacun, voilà, d'interagir avec les crypto-monnaies avec une facilité incroyable. Et aussi des explications tellement digestes que vous mangez ça comme si tu mangeais salade, quoi. Voilà ce que nous faisons un temps soit peu depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est beaucoup de choses que nous capitalisons en termes aussi, voilà, d'étudiants, d'apprenants, des choses aussi, des expériences aussi partagées aussi et des vies aussi, alors, qui s'entrechoquent positivement pour créer de la valeur ajoutée dans ce monde où tout devient difficile, où les gens, alors, sont prêts à s'entretuer pour des miettes, où des gens, alors, ne savent même pas où se diriger, où des étudiants finissent, ne savent pas où aller, où des personnes qui sont même travailleurs se sont tellement mis dans des situations compliquées qu'ils ne savent même pas comment donner, alors, la tête, comment se projeter avec un avenir sûr pour les enfants. Et tout ceci, nous parlons de tout ceci en formation. Nous orientons les gens non seulement sur la crypto-monnaie, mais aussi on parle de psychologie, on parle aussi de développement personnel. Alors, tout ceci nous permet, alors, de parler, voilà, des choses qui permettent aux uns et aux autres d'aller sereinement, non seulement avec l'investissement, mais aussi l'énergie qui accompagne cet investissement. Tu peux investir aujourd'hui, mais quelle énergie tu as pris pour investir? Alors, quelle sera l'énergie qui va venir lorsque l'investissement, selon, peut-être va porter? Alors, l'investissement ayant porté, la loi de la correspondance peut s'appliquer à toi. Et comment déjouer tout ceci pour que le bull market qui va revenir plus tard, alors ce bull market qui va venir plus tard, comment toi tu feras
pour, alors, d'ici là, maintenir toujours ce rythme de vie, maintenir toujours ce flux d'argent, ne plus enlever de l'argent dans la poche pour aller investir, mais que toujours ça soit les bénéfices, alors, du bull market 2024-2025 qui te permettent de rebondir encore pour 2025 et de prendre encore ton panier, revenir sur le marché et faire tes emplettes avec une assurance incroyable. Voilà tout ceci que nous donnons en formation. Et donc, vous êtes invité à la Bourse du Travail le 2 novembre prochain, voilà, avec toujours le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour les différentes inscriptions. N'oublions pas aussi que la formation du 21, c'est dans quelques semaines, voilà, et ça, c'est avec, voilà, nos partenaires du groupe CIA, voilà, ça, c'est une formation, une conférence dédiée, voilà, et donc, vous êtes aussi invité là. Sachez toujours que la chance accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entreprenants, et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.